Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 26, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, comment ça va? Ben ça va super, très heureux de vous retrouver cette semaine, comme d'habitude pour votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment, c'est Pop News bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Les brèves du moment, le point box-office, la grosse discussion au sujet des plateformes de SVOD très en quantité en ce moment, pas toujours de très grande qualité, et puis surtout ça commence à coûter cher, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se remet au piratage? Ça va être un petit peu le grand débat de cette semaine, le radar des sorties, nos recommandations en fin d'épisode, et bien entendu, on n'oublie pas les petites étoiles sur les plateformes de podcast, les likes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur TikTok, YouTube, Dailymotion, X, Instagram, Facebook, Blue Sky. Nous sommes également sur Twitch tous les lundis à 20h30. Je crois que je n'en ai oublié aucune. C'est parfait. Il faut que je récupère mon souffle. Respire. On va évidemment partir tout de suite sur les brèves, Adrien, puisqu'il y en a beaucoup cette semaine. On va commencer, et c'est moi qui commence les brèves, une fois n'est pas coutume, avec Gears of War. Vous le savez que Gears of War, la saga de jeux vidéo, a bien envie de passer sur le grand écran, mais pour l'instant n'a pas trouvé de réalisateur. Il y a quelques semaines, on avait Zack Snyder, le réalisateur évidemment de Justice League, de Batman v Superman, de 300, de Sucker Punch, qui disait « Mais écoutez, moi j'aimerais bien Gears of War, j'aime bien Halo, j'aime bien Gears of War, j'aimerais bien réaliser une adaptation de Gears of War pour le cinéma. » Il se trouve que Cliff Bleszinski, le créateur original de Gears of War, eh ben, il est plutôt pour. Mmh. Il dit que Zack Snyder, il est à son meilleur quand il adapte des licences existantes. Et donc il parle évidemment de 300. Il parle de sa fanbase qui est à fond sur Zack Snyder. Et il dit que honnêtement, ça serait une super idée de faire en sorte que Gears of War et Zack Snyder se rejoignent. Donc lui, en tout cas, il donne son aval. Bon, évidemment, est-ce que ça va se réaliser dans le Hollywood prochain? Ça, évidemment, c'est tout sauf certain, bien entendu. Je suis très chaud, et rappelons qu'il y a une série animée, Gears of War, qui est prévue du côté de Netflix. Exactement. Netflix qui bosse vachement avec Zack Snyder. Prochainement, on aura Rebel Moon en deux parties, ce sera le film de Noël, en tout cas la première partie sortira à ce Noël, et on sait que si Gears of War en dessin animé sort sur Netflix et que Zack Snyder met le nez dans Gears of War, il y a de grandes chances que ce soit produit par Netflix dans quelques années. En tout cas, c'est ma petite pièce que je mets là comme ça, vous l'aurez entendu ici peut-être pour la première fois, et on en reparlera dans quelques mois. Mais Zack Snyder avec Gears of War sont très très logique et très solide hein, sur le papier. Ça s'emboîte plutôt bien en tout cas dans le concept. Parlons de Kingdom of the Planet of the Apes. Un trailer est sorti la semaine dernière qui nous a rappelé un petit peu l'existence de ce projet, pour être honnête. Eh oui, j'avais complètement oublié. Pour moi, en fait, c'était terminé la trilogie, enfin, en tout cas, la nouvelle trilogie, La Planète des Singes. Et en fait, non, ils nous ont sorti un nouveau film du carton. Alors, pourquoi pas, hein. Le trailer est très sympa. Je vais pas le décrire ici, hein, le trailer, mais pour faire très rapide, en gros, dans cette bande-annonce, on voit César, donc le singe de la première trilogie, qui, maintenant, en fait, est devenu un leader total et absolu, en fait, de la planète Terre. Et on vit dans un monde désormais sans humains, ou très peu, on voit quelques enfants sauvages, les humains sont vraiment retournés à l'état primaire, on va dire, quoi, et les singes ont pris le contrôle. Moi, je suis très chaud, finalement, pour ce film-là, qui sort un peu de nulle part. La bande-annonce est plutôt sympa, les effets spéciaux ont l'air d'être encore assez incroyables, on se rappelle quand même que dans la première trilogie, les VFX étaient fous. Enfin, vraiment, la motion capture était assez dingue. Et en parlant de motion capture, pour rappel, c'était Andy Serkis qui jouait Gollum, qui prêtait ses traits, en tout cas son corps et son physique, à César dans la trilogie de La Planète des Singes. Mais il a laissé sa place pour ce nouveau film, et c'est Owen Teague, donc un peu inconnu au bataillon, qui le remplace, mais il a été adoubé par Andy Serkis pour reprendre le rôle. Et la sortie du film est prévue pour mai 2024 aux États-Unis, en France, si tout va bien. Donc on vous conseille d'aller voir la bande-annonce, si vous êtes curieux. Ouais. Ça n'a jamais été des mauvais films, ces remakes, ces suites de La Planète des Singes. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les origines de La Planète des Singes. J'aime bien La Planète des Singes, l'affrontement. J'aime un peu moins le troisième. Il faut savoir que le film sera réalisé par Wes Ball, à qui l'on doit la trilogie Le Labyrinthe. Qui a fait un petit peu de l'adaptation, on va dire,
de fantasy young adult ou de SF young adult. Plutôt ok aussi, hein, le Labyrinthe 1 et 2, c'était, ça se perdait sur la fin, mais c'était plutôt, plutôt voilà, bien. Donc bah, à voir en 2024, et puis un trailer qui donne envie et qui renoue peut-être un petit peu avec ce qu'on connaît de la planète des singes dans la série et dans le film originel, c'est-à-dire bah, les singes sont au pouvoir. Quoi. Oui. Donc, les singes ensemble, fort. Exactement, voilà. Bien entendu. On a une séquence assez importante et assez imposante sur Marvel cette semaine, puisque bah, pas mal de choses sont sorties d'une enquête de Variety aux États-Unis qui a un petit peu plongé sur bah, les hauts et surtout les bas récents de Marvel Studios, notamment au sujet de Jonathan Majors, mais on va pas y revenir à ce sujet, mais aussi de certaines productions qui sont un petit peu émaillées de problématiques, notamment de Blade. Vous savez que Blade a été annoncé il y a déjà quelques années à la Comic-Con de San Diego par Kevin Feige lui-même en présence de Mahershala Ali, acteur qui a quand même remporté un Oscar, donc projet évidemment extrêmement attendu. Et ce projet, il est vraiment émaillé de problématiques de production, puisque il a fait un hiatus de production 6 semaines avant de lancer sa production. Ils ont changé, je crois que c'est 5 fois de scénariste, ils ont changé de réalisateur également. Ça commence à faire beaucoup, et on apprend justement dans cette enquête de Variety que bah, Mahershala Ali, il a commencé à dire « Maman, en fait, je vais partir parce que j'ai un problème avec le script de Blade ». Et on a appris dans cet article, justement, que les différentes itérations de ce scénario commençaient à le faire passer un petit peu comme un personnage secondaire dans son propre film, ce qui est évidemment problématique pour un film Blade, et donc il a fallu que Kevin Feige reprenne la main sur cette production. Donc, compliqué de faire sortir de terre une nouvelle itération de Blade, puisqu'évidemment il y avait eu 3 films au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, et là, visiblement, l'intégrer au MCU, ça a l'air d'être un peu complexe, quoi. Attends, tu veux dire qu'il y a des problèmes chez Marvel en ce moment ? Et que tout ne se passe pas bien ? Nous tournons dans un. Et les gens parlent. Ah, les gens parlent, ça y est, les langues se délient, ce qui est très bien pour nous, parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans l'émission, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça cause. C'est d'ailleurs le cas, a priori, chez The Marvels qui a connu une période de reshoots assez extensive, de 4 semaines, sous la direction de Nia DaCosta, ou pas. Ouais, exactement, en fait, bah, pour rappeler, donc, The Marvels qui sort là, cette semaine en France, en fait, il réunit les personnages de Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. Carol Danvers qu'on a pu voir dans Captain Marvel, joué par Brie Larson, et Kamala Khan qu'on a pu voir dans Miss Marvel, était une série Disney+. Exactement. Et Monica Rambeau était dans WandaVision, c'était un personnage secondaire, mais voilà, là maintenant, qui prend un peu plus d'ampleur. Donc le film The Marvels est le prochain film Marvel, finalement pas très attendu par les fans. Parce que Captain Marvel avait été une petite déception, même si au box-office ça avait fonctionné. Ouais. Mais c'était pas voilà, l'un des personnages les plus aimés de la fanbase. Mm-hmm. Et Nia DaCosta avait donc une grosse responsabilité. Et on sent que Marvel a décidé de mettre autour d'elle 2 autres personnages pour peut-être gonfler un petit peu la hype autour du film. Ouais. Le problème, c'est comme tu l'as dit, il y a eu 4 semaines de reshoot qui ont été nécessaires pour clarifier un petit peu un scénario complexe. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'article de Variety. Et au-delà de ça, Nia DaCosta, la réalisatrice, avait déjà commencé un autre projet alors que le film The Marvels était en post-production. Ce qui est considéré en fait comme très inhabituel pour un film d'une telle envergure en fait. Donc elle aurait entre guillemets quitté le navire au moment un peu décisif des reshoots et de là où tout va se mettre en place et du nouveau montage. Elle a nié un petit peu ces faits-là très récemment en disant que ça avait pris un peu trop d'ampleur, qu'on avait peut-être un petit peu trop modifié ses propos, etc. Ouais. Et que c'est pas forcément le cas. Mais le fait est qu'elle ne nie pas non plus être partie sur son nouveau projet alors qu'elle était en train de terminer The Marvels. Le film, pour le rappel aussi, a vu sa date de sortie reportée à 2 reprises pour donner un peu plus de temps au cinéaste en fait de finir son film. Et il y a eu une projection test réalisée au Texas et avec des retours très très mitigés sur le produit fini. Donc ça ne sent pas très très bon pour The Marvels, et au-delà de ça, il y a aussi des
des insiders qui annoncent un début très très compliqué, très moyen au box-office. Ouais. Donc on suivra ça de près, on vous donnera des infos, je pense, la semaine prochaine ou voilà, maximum dans deux semaines. Oui, puisqu'on ne va pas faire de cachotterie, The Marvels fait partie évidemment du radar des sorties que je vous ai concocté pour cette semaine. Et... on va terminer avec Marvel qui se met un petit peu en ordre de bataille pour la suite et qui a annoncé quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est un nouveau label de production qui va s'appeler Marvel Spotlight. Marvel Spotlight, ça aura l'objectif de créer des histoires, on va dire, plus terre à terre, plus centrées sur les personnages que ne le sont les films du MCU ou les productions télé pour Disney Plus du MCU, à commencer par la prochaine série Marvel qui arrivera sur Disney Plus, à savoir Echo, qui arrive le 10 janvier 2024. C'est une série spin-off de Hawkeye. Parce que le personnage d'Echo, on l'avait découvert dans Hawkeye, et qui nous permettra de retrouver le personnage de Wilson Fisk, pardon, incarné par Vincent D'Onofrio, qui revient du coup dans le rôle de Kingpin, le Kaïd, et on a vu, par ailleurs, une bande-annonce de ce nouveau projet. La bande-annonce est pas trop mal, t'en as pensé quoi, toi ? La bande-annonce est très cool, la bande-annonce se veut un peu gritty, un peu brute, à la Daredevil version Marvel Télévision de l'époque. D'ailleurs, on a un aperçu d'une microseconde de Daredevil dans cette bande-annonce. Ça a l'air assez violent, on sent que voilà, ils veulent tenter quelque chose un peu plus adulte, d'où le label Spotlight, voilà, qui sera vraiment le label pour adultes de Marvel. C'est ça. Moi ça me va, est-ce que derrière ça va suivre niveau scénar, c'est ça le plus important, parce que si c'est pour faire du violent, pour faire du violent, moi ça m'intéresse pas, je veux que derrière ce soit justifié et qu'il y ait vraiment un côté, mais je t'avoue que Echo n'était pas du tout sur mes radars avant la bande-annonce, maintenant la hype commence à prendre un peu plus, donc je serais curieux début janvier de découvrir ça. Bah écoute, pourquoi pas, en tout cas effectivement tu l'as rappelé à juste titre, Marvel Spotlight ça sera le label qu'on appelle TVMA aux États-Unis, ça veut dire mature, ce qui n'est évidemment pas habituel pour les productions de super-héros du MCU, qui, elles, se contentent évidemment du PG-13, le fameux, où c'est très rare, en tout cas, d'avoir quelque chose de MA ou de 17 pour... Oui, plus ouais. Pour Deadpool notamment, et ce sera le cas, on le sait, de Deadpool 3. Donc intéressant de les voir un petit peu tâtonner, et c'est aussi sans doute, j'imagine, pour tester de nouvelles choses, à des budgets peut-être un petit peu moindres, donc pourquoi pas. Et au-delà de ça, c'est aussi pour mettre en avant les super-héros street level de Marvel, vraiment tout ce qui est Daredevil, Echo, Hawkeye, enfin Hawkeye peut-être un peu moins, mais en tout cas ces super-héros là qui sont des héros un peu plus du quotidien, qui sont pas affrontés des menaces cosmiques ou des choses comme ça, voilà, qui sont vraiment à New York en général, basés dans la rue et qui vont taper des gueules quoi. Donc c'est les héros plus bruts, plus faciles aussi de s'identifier à ces héros là quoi. On s'imagine d'ailleurs que Daredevil Born Again va certainement entrer dans ce nouveau label-là, puisque lui aussi, il entre complètement dans ces considérations-là. Exactement. Tu voulais nous parler du projet de clip de Peter Jackson, le dernier clip des Beatles sur Now and Then. Ouais, je trouve ça super. Alors, je sais pas si les gens du chat ou voilà ceux qui nous écoutent en podcast l'ont vu passer ce week-end, mais il y a une nouvelle chanson des Beatles qui est sortie, ce qui est quand même déjà un petit événement en soi, qui s'appelle Now and Then, qui a été composée par John Lennon en 1978 et qui a été terminée là, en 2023, par Paul McCartney et Ringo Starr, donc les deux seuls Beatles encore en vie. La chanson, en fait, a été retravaillée une première fois en 1995, mais était restée inachevée pendant des années et des années. Et c'est grâce à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, mais surtout d'un incroyable documentaire appelé Get Back, donc qui s'intéresse en fait aux images d'archives de la construction de l'album et de l'enregistrement de l'album Get Back des Beatles. Je vous conseille aussi, il dure assez longtemps, c'est en plusieurs parties, ça dure plusieurs heures, mais c'est des images d'archives inédites, incroyables, retravaillées, niveau image, niveau son, etc. Et c'est Peter Jackson qui a décidé, en fait, grâce à un logiciel qu'il a développé spécifiquement, de retravailler cette chanson-là avec la voix de John Lennon qui a pu être isolée et la chanson complétée. Parce qu'en fait, à l'époque, la voix de John Lennon avait été enregistrée sur une cassette, elle était vraiment, la version était crade, voilà, ça sonnait pas bien du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu vachement de mal à faire quelque chose de propre avec cette chanson, mais grâce à l'intelligence artificielle et à l'outil développé par Peter Jackson, on a eu le droit à cette nouvelle chanson et aussi à un clip qui mélange en fait images d'archives
et nouvelles images. Donc on voit par exemple Paul McCartney très jeune faire face à Paul McCartney d'aujourd'hui, des images de John Lennon, des images de, c'est un peu triste aussi, de George Harrison, ouais, un peu plus vieux, plus jeune, etc. On se dit limite que George Harrison est encore là, enfin c'est assez, assez drôle, mais c'est très joli, c'est un très bel hommage, et la chanson au-delà de ça est vraiment vraiment sympa, enfin je trouve que c'est une belle balade, parce que c'est dur de se mettre dans, dans l'idée que il y a un nouveau tube des Beatles, c'est compliqué de se dire tiens, on va apprécier. Et en fait, finalement, c'est très sympa. C'est le Beatles plus de fin, mais c'est très sympa. C'est assez déconcertant en fait, oui, pour l'avoir écouté et l'avoir regardé. Ouais, ouais. T'en as pensé, t'as bien aimé cette chanson, ouais, cette J'ai bien aimé. Alors moi, je suis plus Beatles de leur phase, on va dire, de la Beatles mania, tu vois. Moi, j'aime beaucoup quand ils sont plus rock et etc. Mais c'est très sympa à écouter en tout cas. Parlons de House of the Dragon, sans transition, bien entendu. House of the Dragon, on a eu des petites nouvelles, puisque ça s'est un petit peu activé la semaine dernière chez HBO, qui a organisé un événement presse autour du chef du réseau, du network HBO, qui s'appelle Casey Bloys. C'est à New York que ça s'est déroulé, et il se trouve que les petits plaisantins, les petits chanceux, ont eu l'occasion de découvrir un trailer de House of the Dragon saison 2 et d'apprendre la confirmation que tout ça, ça sortirait au début de l'été 2024. Alors ça veut tout et rien dire, hein, été 2024, puisque vous savez que souvent l'été, ça commence désormais pour les majors plutôt au niveau du mois de mai. On sait que House of the Dragon, la saison 1, c'était plutôt fin août 2022. Oui. Et donc on imagine vraisemblablement que on peut l'attendre pour les grandes vacances. En France, ça serait plutôt logique, et ça risque évidemment de faire l'événement, cette saison 2 de House of the Dragon en 2024. Pour rappel, la saison 2 sera composée uniquement de 8 épisodes et non 10, puisqu'ils ont réduit un petit peu le spectre pour pouvoir balancer un petit peu plus de budget, et faire en sorte que ça soit mieux découpé en fonction de l'adaptation de l'histoire pour les suites des saisons. Donc vraiment... grosse attente pour 2024, puisque c'est une des seules, on va dire, séries blockbuster qui n'a pas été entravée par les grèves successives de la WGA et de la SAG-AFTRA. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a si tôt. Sinon, elle aurait dû être décalée, tout simplement. Mais c'est étonnant quand même de la sortir l'été. Je suis curieux de voir les chiffres à ce moment-là de diffusion et d'audience, parce que ils pouvaient un peu se faire plaisir, comme tu l'as dit, ils ont un boulevard au niveau de la diffusion. Grave. Et donc, une série d'été, elle sera forcément moins regardée techniquement qu'une série qui sort en septembre, qui fait l'événement à la rentrée, quoi. Donc, à voir, c'est étonnant comme choix. C'est la grande question que je me pose. Alors, House of Dragons, c'était été, mais c'était surtout rentrée, en vérité, 2022. J'ai souvenir que Game of Thrones, au tout début de sa diffusion, c'était plutôt l'été. C'est vrai, c'était fin... Voilà. Ouais. Et après, ça a été extrêmement erratique sur les diffusions plus tard. Moi, je suis un peu surpris, parce que vous savez que House of Dragon s'est très porté, notamment par les créateurs de contenu sur Internet, et que, traditionnellement, les créateurs de contenu sur Internet sont... sont moins actifs, évidemment, l'été, puisqu'il faut bien que les gens partent en vacances. Donc, est-ce que c'est un choix ? Je ne sais pas. Non. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne, mais évidemment que ça va cartonner, puisque c'est House of the Dragon, et qu'en 2024, les blockbusters, on va les attendre un petit peu quand même. Donc pas de vacances pour les braves. Allez, on va parler d'un projet étonnant dont on entend parler désormais. C'est un reboot. Un remake, on sait pas trop. Étonnant, je suis pas si d'accord non plus, parce qu'en ce moment il y a que des reboots et des remakes partout. Et donc là, on a l'annonce d'un remake reboot de Prison Break, la série culte des années 2000. C'est Deadline qui nous rapporte cette info là, et c'est Hulu, la plateforme de diffusion américaine, qui va d'ailleurs être achetée totalement par Disney, je place ça au passage, qui diffusera ce reboot remake d'ici quelques temps. On n'a pas de date de sortie encore, mais on sait que c'est Elgin James, le co-créateur de Mayans MC, donc le spin-off de Sons of Anarchy, qui s'occupera de chapeauter ce reboot remake de Prison Break. Malheureusement pour les fans, en fait, cette nouvelle partie se déroule
jouera certes dans l'univers de Prison Break, mais n'impliquera aucun des personnages principaux de la série précédente qu'on a connu, à savoir Michael Scofield, Lincoln Burrows, etc., etc. Donc ne vous attendez pas à voir Wentworth Miller de retour pour faire un braquage, enfin pas un braquage mais sortir de prison, et un braquage aussi parce qu'il faisait des braquages dans cette série aussi. Donc voilà, donc news sympathique mais un peu classique, on a l'impression qu'il reboot tout de tous les côtés en ce moment Hollywood, et il y a plus trop d'idées quoi. T'en penses quoi toi personnellement? Est-ce que tu penses que c'est un projet qui sent un peu mauvais, ou est-ce que t'es un peu curieux quand même? Oh, je serais curieux parce que j'avais à l'époque adoré la 1 et la 2. Je trouve que la série aurait été, je pense, aurait marqué son temps et son époque si elle s'était arrêtée juste après la 2. Ça aurait été juste incroyable, un peu folle. Malheureusement, elle s'est perdue en cours de route. Et si là, on a un bon showrunner, une storyline sympa, c'est toujours cool les films de prison. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas une série de prison cool aussi actuelle. Ça a quasi 20 ans hein, quand même, Prison Break maintenant. 2005. C'est sorti en 2005, tu vois. Donc ouais, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas faire une nouvelle série. Je suis curieux également, est-ce que ça me fera dépasser la saison 2? Je ne sais pas, mais on verra en tout cas, parce que moi je m'étais arrêté complètement la saison 2 et j'ai fait bon, c'est bon. C'est très bien, c'est très bien. Exactement. Est-ce qu'on va s'arrêter pour la saison 2? Je ne sais pas, en tout cas The Last of Us, pareil, a confirmé lors de cet événement presse à New York par Casey Blythe autour de HBO, The Last of Us va se tourner début 2024. On s'en doutait évidemment au moment de la reprise de la WGA. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente de la SAG-AFTRA, mais ça devrait se signer prochainement, a priori, ça devrait se résoudre. Et donc HBO met la priorité, bien entendu, sur The Last of Us, sa série événement du début de l'année 2023. Pedro Pascal, Bella Ramsey devraient évidemment briller à nouveau dans cette saison 2, et qui n'est pas prévu pour le planning 2024 chez HBO. On imagine très vraisemblablement que ça devrait plutôt arriver vers début 2025, étant donné la date du début de tournage, à savoir début 2024, ça serait tout à fait logique pour cette saison 2 qui est évidemment très attendue et qu'on espère tout aussi marquante que le jeu numéro 2 qui était sorti sur PS4 puis PS5. Je fais confiance à Craig Mazin, à Neil Druckmann pour nous retourner la tête. Ça devrait aller. Ça devrait le faire. Exactement. En tout cas, ça donne très, très envie. Un peu comme une saison 3 de The Bear, finalement. Exactement, mais quelle transition. Oh là là. The Bear, alors évidemment, je la conseille toujours, cette série. Je résume ce qu'est The Bear. C'est l'histoire d'un super chef d'un restaurant étoilé qui décide de reprendre, en fait, un établissement de sandwich, voilà, à Chicago, un boui-boui, quoi, pour le transformer en un restaurant raffiné. Je fais ça très court, c'est parce que son frère est décédé et il décide de reprendre l'établissement. The Bear, c'est assez incroyable, c'est extrêmement rythmé, il y a des moments dramatiques, des moments très drôles, c'est une comédie dramatique, si on veut. On n'a pas vu ça depuis très longtemps, une série aussi intelligente, aussi forte dans le traitement de tout ce qui est deuil, de tout ce qui est anxiété, stress, parce que évidemment dans une cuisine on n'arrête pas de bouger tout le temps et d'être stressé, voilà. Donc c'est vraiment super, c'est une incroyable série. Elle a été renouvelée par FX aux États-Unis pour une troisième saison. En France, elle est diffusée sur Disney+. La saison 2 avait été en décalé hein, par rapport à la diffusion américaine, donc là il y a des chances que ce soit un peu la même chose pour la saison 3, qui n'a toujours pas de date de sortie. Et on rappelle que l'acteur principal, c'est Jeremy Allen White, qui a gagné un Golden Globe ou un Emmy il n'y a pas longtemps pour son rôle dans The Bear, et qui jouait dans Shameless pendant des années. Et c'est un excellent acteur qu'on va voir de plus en plus là, notamment dans un film sur le catch avec Zac Efron. C'est vrai. Un film aussi Apple TV+, je crois, récemment. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec Jeremy Allen White, et je vous conseille encore une fois de regarder The Bear. C'est génialissime. Et c'est bien un Golden Globe qu'il a remporté en 2023. Merci. Dans la catégorie meilleur acteur dans une série musicale ou comique, à savoir The Bear. Donc. Voilà, ça, bon, les catégories, on s'en fout, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas une série comique, ni musicale, mais voilà. On connaît les Golden Globes et leurs catégories. Un petit peu étonnant, je vais te laisser garder la parole, puisque c'est l'heure de ton point box-office, Adrien.
Yes, et je commence évidemment par le film du moment, Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, donc qui vient de sortir et qui réalise déjà le deuxième meilleur démarrage pour un film japonais en France avec pas moins de 647 000 entrées lors de son premier week-end. Dans ces 647 000 entrées, il y a 81 000 entrées réalisées en avant-première, ouais. Et c'est juste énormissime. Donc le film a bénéficié évidemment de la réputation de Hayao Miyazaki, bien parce sûr. Que potentiellement c'est son dernier, c'est un Ghibli, et en plus c'est les vacances scolaires. Donc tout était réuni pour que ça cartonne. On vous invite encore une fois à écouter notre avis, en tout cas mon avis sur le film que j'avais pu voir au Japon lors de mon voyage cet été. J'en dis pas plus là, mais sachez que c'est un film qui plaît pas forcément à tout le monde, et les notes, par exemple, sur les agrégateurs de notes le font ressortir. La presse est convaincue, le public peut-être un peu moins, donc et je le déconseille aux jeunes enfants. Voilà, si vous voulez être sûr de faire plaisir aux moins de 10 ans, allez voir plutôt Les Trolls ou La Patte Patrouille, plutôt que Hayao Miyazaki et son Garçon et le Héron, qui est beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus adulte que ce qu'on pourrait attendre d'un Miyazaki. Okay. Et bien évidemment, je vais continuer avec Five Nights at Freddy's. Un film pour enfants. Un film pour enfants, évidemment, qui lui, par contre, certes, a dépassé les 200 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est juste une folie furieuse, parce qu'il a un budget de 20 à 25 millions de dollars, donc c'est juste x10. Ça va. Est incroyable quand même pour un film d'horreur, un budget aussi limité, et surtout qu'il est déjà disponible en ligne. Donc en fait, il continue quand même à performer, mais il a quand même connu une chute au box-office américain de 76%. C'est très mauvais, donc là, il va forcément s'effondrer au cinéma. Il a déjà rapporté 200 millions de dollars, plus de 200 millions de dollars, donc c'est juste incroyable. Et là, on sent qu'une franchise est lancée et qu'ils vont nous en sortir. Je trouve ça ouf, en fait, parce que le film est sorti en même temps dans les salles américaines et sur un service de streaming qui s'appelle Peacock, qu'on n'a pas en France. De NBC. Et c'est dingue qu'il ait réussi à faire autant de fric alors que le film était disponible chez certains abonnés, quoi. Donc, c'est fou. Aussi en ligne de façon plus officieuse. Je sais pas de quoi tu veux parler, mais On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant qu'il fasse autant de blé, quoi. Oui, je crois qu'on en parle pas assez non plus. Hein. C'est quand même une perf assez inédite et assez incroyable. Le film, tu en parleras tout à l'heure, sort là cette semaine en France. Ouais. Mais je suis curieux aussi de voir ce qu'il va faire en France. Ce sera forcément moins fort que aux États-Unis, parce que c'est un truc aussi très ricain, Five Nights at Freddy's, comme jeu vidéo. Mais en tout cas, fallait en parler. Je continue en restant en France avec 3 jours max de Tarek Boudali de la bande à Fifi, qui lui continue de performer aussi avec son film, donc il y a une suite de 7 jours max et qui fait déjà 875 000 entrées en une semaine. Joli. Il tutoie le million d'entrées en une semaine, c'est juste fou, quoi. Donc la comédie française à la mode bande à Fifi, ça continue de cartonner, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Donc ça, là-dessus, je pense que le film va continuer de performer jusqu'aux 2 millions tranquillou. Je poursuis avec La Patte Patrouille 2 et leur super pouvoir de Woof, qui lui a dépassé les 2 millions d'entrées en France. Il surpasse déjà en fait le score du premier film qui lui avait fait 1,46 million. Et sa carrière au ciné est toujours en cours. Donc là, il y a des chances qu'il continue jusqu'aux 2,5-3 millions d'entrées tranquillement, parce que les vacances scolaires se terminent à peine, il y a des week-ends qui arrivent, donc, et il fait froid, les gens veulent peut-être aller au cinéma. Et enfin, The Creator, qui lui a atteint 100 millions de dollars au box-office mondial, avec malheureusement un budget de prod estimé à 80 millions de dollars. Ce qui fait qu'en fait, il vient à peine de rentrer dans ses frais, c'est même pas en fait, on en parlait la semaine dernière, en fait, c'est un semi-flop, c'est un flop, ça reste un flop quand même, parce qu'il a pas dégagé de bénéfices, et si on prend en compte le marketing, c'est une opération blanche, voire peut-être un peu déficitaire. C'est pas non plus une catastrophe, mais on peut partir du principe que la moitié du budget de production est partie dans le marketing, donc on estime probablement que le film, il lui fallait 120 millions de dollars probablement pour rentrer dans ses frais, voire 160. Ouais. Bon, ça sera pas le cas, quoi. Mais, Non, c'est dommage pour le film Disney qui tentait un petit peu de sortir des sentiers battus, de proposer autre chose avec une IP inédite, et ça sera pas le cas pour cette fois, ça marchera pas cette fois, mais bon. C'est bien dommage. Ouais. C'est la fin de ton point box-office, Adrien, merci beaucoup. Et tu sais quoi, je me dis que dans quelques semaines, je serai presque triste de ne plus entendre parler des super pouvoirs de Woof. Parce que tu vas certainement arrêter de nous parler de La Patte Patrouille quand elle aura quitté les écrans. Non, je ferai peut-être les audiences sur Gulli. Voilà, mais tu vois, je me dis que
le fait de ne plus pouvoir caser les super pouvoirs de ouf chaque semaine dans Pop News, ça fera quelque chose un petit peu à notre public, et je m'en excuse d'avance. Non, bah, désolé, on s'en excuse, mais c'est comme ça, c'est la loi du marché. Il y aura une suite, évidemment. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques temps, quelques années, des super pouvoirs de ouf 3, voilà, avec la Pat Patrouille 3. Bien sûr. Et dites-nous en commentaire quel est votre chien préféré dans la Pat Patrouille. Ça nous intéresse grandement. Si vous nous regardez sur Dailymotion ou sur YouTube, n'hésitez pas à taper ouf dans les commentaires. Oui, exactement. Qu'on sache que vous suivez un petit peu tout ça. Exactement. Ça nous intéresse vraiment. Exactement, et un abonnement aussi avec. Ça marche. Oui, allez-y, hein, le petit like, ouais. L'abonnement. Et le bouffe. Enfin, on, voilà. prend tout. On prend le vraiment, bouffe. Vraiment, allez-y. Ouais, allez-y. Faites-vous plaisir. Bon, c'est cadeau. Écoute, je crois que c'est le moment de parler de notre sujet de la semaine. On a décidé de le dédier aux plateformes de streaming. Alors, on s'est dit, on va pas prendre quelque chose qui est trop dans l'actualité cette semaine, mais d'un sujet dont on parle régulièrement tous les deux, dont on parle aussi avec le chat sur Twitch parfois, c'est l'opulence et l'extrême abondance des plateformes de streaming du moment. C'est-à-dire que, évidemment, ça a commencé avec Netflix. Ensuite, on a eu Disney+, ensuite, on a eu Prime Video, ensuite, on a eu OCS, on a eu Apple TV+, on a eu, désormais, c'est Paramount+, ensuite, on a Universal+. Bon, tout ça, c'est sans compter évidemment Canal+ et les services de niche, à savoir Shadows, Mubi, Filmo, etc. Les plateformes de VOD pur où on va louer, où on va acheter, etc. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que le public peut décemment encore suivre, monétairement parlant, au moment où on parle d'inflation sans arrêt ? Est-ce que les plateformes elles-mêmes, en termes de production, peuvent encore suivre la cadence de nourrir cet ogre de contenu que sont toutes ces plateformes-là ? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, toute cette galaxie de problèmes, ce que ça veut dire aussi pour Hollywood. Moi, je voulais commencer par... Un des points positifs qu'on a pu donner très régulièrement à ces plateformes de streaming, c'est qu'elles ont, notamment en France, pu permettre de nous abreuver en contenu beaucoup plus rapidement que ça n'était le cas avant à la télévision. Je pense au fait où, à une époque, nous, pour avoir des séries américaines arrivées à rythme français, il fallait attendre que TF1 les traduise. Il fallait attendre vraisemblablement 6 mois, 1 an. Et puis est arrivé le royaume du US plus 24. Ah, c'était bien ça au début. Hein. C'était bien, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ah, mais t'en rends compte, en fait, on est quasiment au rythme américain. Et on peut regarder exactement ce qu'on veut parce qu'on est abonné à 1, 2 services et puis on regarde ce qu'on a envie de regarder et en plus c'est au même rythme que les États-Unis donc ils ne peuvent même plus nous spoiler puisque maintenant les réseaux sociaux c'est un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que tu ne l'as pas vu le jour même à 9h du matin, ton épisode il est spoilé sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y avait cette problématique là évidemment, mais maintenant voilà, tout ça, c'est l'US plus 24, donc pour commencer un petit peu avec l'avocat du diable, se dire que bon, c'est vrai que les plateformes de streaming, c'est quand même pas mal. Les contenus, on les a à peu près en temps et en heure, et même ça, c'est de moins en moins vrai, je trouve. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est devenu un business maintenant, au-delà de créer de l'engouement et de dire, tiens, Game of Thrones, maintenant tu vas l'avoir en US plus 24, tu vas vraiment payer pour ce service. Maintenant, on est tellement habitué à ce service qu'on n'attend plus que ça, en fait, c'est très logique, en fait, ça fait partie du package, et voilà, on va pas se poser de questions, et ce serait bizarre si... Et d'ailleurs, on s'en plaint, tu l'as dit, quand une série n'est pas diffusée tout de suite, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de The Bear, qui a mis du temps à diffuser en France, Walking Dead, prenons l'exemple de Walking Dead d'Ari Dixon, qui là, est actuellement diffusé sur Paramount+, en France, qui a mis quand même des semaines, voire un peu plus, des mois, pour être... Qui a mis deux mois. Qui a mis deux mois quand même pour avoir un diffuseur en France, c'est énorme et ça nous surprend. Parce qu'on se dit, attends, on paye beaucoup de services, vraiment il y a une pluralité de services, et en plus on peut même pas avoir droit à notre petite série phare, c'est pas une série de niche en plus, Walking Dead d'Harold Dixon quoi. Donc ça là-dessus il y a un problème parce que, en fait, il y a tellement d'offres et elles sont tellement... disparates, elles sont tellement séparées, il n'y a rien qui agrège tout ça, qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire que moi, par exemple, admettons que je sois fan de Walking Dead et que je sois fan
de The Bear et de Stranger Things, il faut quand même que je paye 3 abonnements différents. Faut que je paye Paramount, faut que je paye Disney+, et faut que je paye Netflix. Mmh. Donc on est déjà à une trentaine d'euros par mois. Ouais. Ça fait, si, admettons, on va dire 10 balles à peu près, mmh. même si on reviendra sur les chiffres exacts ouais. tout à l'heure. Ça commence à faire beaucoup si on veut juste mater 3 séries, parce que ces séries-là, voilà, elles sont diffusées régulièrement, il y a plusieurs saisons, certaines plateformes privilégient le binge-watching, donc de tout diffuser d'un coup, d'autres d'étaler sur la durée, c'est un choix. Moi, par exemple, je suis plus partisan, peut-être parce que je suis un vieux con, mais de diffuser une série sur la durée, comme ça, ça crée de l'engouement, chose qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, à cause notamment des réseaux sociaux, ou même du fait qu'il y ait trop de contenu. Donc au moins, là, il y a ce petit truc de « Ah, j'ai pas tout de suite tout dans la bouche, quoi. On va pas tout donner tout de suite, quoi. » Donc ça fait plaisir. Bon, bref, je m'égare un petit peu. Mais tout ça pour dire que le fait qu'il y ait trop de plateformes tue le contenu, et donc tue le plaisir, je trouve, à regarder une série comme on pouvait l'avoir avant. Oui. Même s'il fallait attendre des mois parfois, on savait que nos cousins américains, eux, mataient Lost, et qu'apparemment, Lost, c'est quand même Koh-Lanta, version film, enfin, version comment, mystère, etc. Ouais. Ça a l'air super. Bon, bah, moi, je vais y jeter un œil dans 6 mois quand TF1 le diffusera. Là, il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus. Exactement. Ah oui, non, mais clairement, alors, je rebondis sur ce que tu disais sur les changements d'habitude. Je pense que les changements d'habitude, ils sont assez certains avec l'apparition des plateformes de streaming. Alors, évidemment, beaucoup de gens sont habitués au binge-watching, c'est-à-dire le fait d'enquiller plusieurs épisodes d'affilée et quasiment terminer la saison dans le week-end, grosso modo. C'est vrai que moi, j'en suis revenu très vite de ce modèle-là parce que j'aime bien plus profiter, et c'est vrai que semaine après semaine, t'apprécies peut-être un petit peu plus. Et quelque part, c'est un sujet qu'on pourra connecter peut-être plus tard à la qualité des productions, le binge-watching, etc. etc. Mais en tout cas, il y a un changement qui est définitif de comportement face à ces contenus-là. Évidemment, ça a signé un petit peu la perte du DVD aussi. Évidemment. Ouais. Et du Blu-ray dans une moindre mesure. Vidéoclubs, etc. C'est normal. Voilà, mais ce qui me gêne avec tout ça, si tu veux, c'est que on perd peut-être un petit peu la notion de choisir ce qu'on regarde parfois, et la notion, on va dire, un peu transactionnelle de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à une époque, on allait au cinéma parce qu'on allait voir ce film-là spécifiquement, et désormais, on arrive le week-end sur Netflix et on se dit « qu'est-ce que je vais regarder ?» C'est, on attend du service qu'il sache ce qu'on va aimer. Il le sait pas, en plus. Et en plus, il le sait pas. Combien d'entre nous, j'ai pas dans le chat sur Twitch, j'imagine que les gens vont répondre, mais combien d'entre nous mettons sur Netflix ou sur Prime ou sur Disney+, c'est la même chose, pour regarder, pour trouver un truc à mater, et au final, on passe un quart d'heure et on a toujours pas trouvé ce qu'on allait mater parce qu'il y a trop, et à la fois, il y a pas assez. C'est-à-dire qu'il y a trop de contenu, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut, et en plus, il n'y a pas assez, parce qu'il n'y a pas spécifiquement exactement la chose qu'on veut regarder, parce que, évidemment, les droits sont ce qu'ils sont. Moi, par exemple, pour Halloween, je voulais regarder Midsommar, par exemple. Midsommar, il n'est pas disponible en France, sur une plateforme à laquelle je suis abonné. Et donc, un film est disponible et il l'est plus un mois après, etc. Exactement. Et il revient, et la communication est très compliquée parce qu'il y a tellement de contenu que c'est compliqué de dire bah tiens, Midsommar est de retour, etc. Au début, ça allait un peu avec les plateformes, je sais pas si vous vous souvenez, ils continuent de le faire, faire des plannings du mois, des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que les gens le regardent même plus parce qu'en fait, il y a tellement de contenu, tellement de choses que c'est compliqué, quoi. Prime Video, par exemple, est l'une des plateformes avec le plus de films. On s'en rend pas compte, mais ils ont un catalogue monstrueux. Apple, par exemple, n'en a que 60, etc., etc. En fait, c'est tellement compliqué, en fait, de communiquer autour de ce qu'on a, qu'on ne sait plus, en fait, où regarder les films. Et donc, en fait, on passe un temps fou à switcher de plateforme en plateforme. Quand on a la chance d'avoir plusieurs plateformes, parce que ça coûte quand même très cher, et ça, il faut qu'on en parle. On aille dans le sujet. Moi, je ne sais pas, ça me manque un peu cette période, justement, d'attente, de hype, qu'on n'a plus trop. Je pense que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec Game of Thrones, parce qu'une fois qu'une série est sortie, prenons l'exemple de Squid Game, qui est sortie tout de suite, il
Il y a eu un phénomène, un épiphénomène de « Waouh, c'est la série du moment, c'est génial et tout ». Ça a duré 2 semaines, 3 semaines, allez, grand max, le temps que tout le monde regarde. Et après, c'est fini. Game of Thrones, ça a duré 10 piges, en fait. Parce qu'en fait, tu avais le temps de faire durer le truc, etc. etc. quoi. Là, Squid Game 2, c'est pas sûr que ça ait autant d'impact que... Ou verra, je ne sais pas. Peut-être. Hein. Mais c'est moins, dans l'air du temps, c'est moins un zeitgeist qu'avant. Quoi. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'aime beaucoup ce sentiment-là d'être capable de parler, de donner un titre de série à n'importe qui et tout le monde peut créer une conversation dessus. C'est vrai. Et ça n'existe plus que pour Game of Thrones ou des séries comme ça, tu vois. Et sur Squid Game... Attends, tu veux dire que aujourd'hui on peut plus... Alors, si tu veux, c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'il y en a moins. Parce que chaque série chassant l'autre... Ouais. Si tu veux, si... Chaque semaine, tu peux parler d'autre chose. Parce que bah, cette semaine-là, c'est Lupin que tout le monde a regardé. Cette semaine-là, c'est la chute de la maison Usher. Cette semaine-là, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Et... Mais il y aura... pas grand monde pour te parler pendant un an de ce qui va se passer dans Lupin Partie 4. Heureusement. Tu vois ? Non, mais... mais bêtement, hein, parce que je trouve que chaque série étant montée en épingle, c'est particulièrement le cas pour les séries Netflix, je trouve. Oui. Parfois, à tort, très honnêtement. Souvent à tort, oui. J'ai le sentiment que, bah, du coup, en dehors de certains gros phénomènes comme Stranger Things, il n'y a plus vraiment de production qui va mettre tout le monde d'accord et surtout qui va rester un petit peu dans l'inconscient, quoi. Parce que t'as l'impression qu'on te fait sans arrêt du bourrage de crâne de « Tiens, ça, c'est la nouveauté. Tu vas aimer, c'est parce que c'est le truc de maintenant. » Et en plus, tu vas tout regarder en 10 heures d'affilée. Et qu'est-ce qui va te rester dans 2 jours ? Rien du tout, mais c'est pas grave. Dans 2 jours, j'aurai autre chose à te montrer. Et aussi vite vu, aussi vite oublié, mais... ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et je suis entièrement d'accord avec toi, on ne crée plus de phénomènes, on ne crée plus de points dans le temps comme ça, où on avait des X-Files, on avait des Buffy, etc. Des choses comme ça qui restent des produits d'époque. Stranger Things, on a du mal à le réaliser, mais ça va bientôt 10 piges aussi, hein, Stranger Things. Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être l'une des seules séries qui reste un peu dans l'inconscient collectif sur la durée, mais parce qu'elle a plusieurs saisons aussi. Comme en plus, et ça, faut en parler, du système des plateformes. Alors, les télévisions le faisaient aussi, hein, les networks le faisaient aussi, mais les plateformes, c'est rentabilité, 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 chiffre. Ils regardent pas les critiques des médias, les critiques de la presse, les retours publics, ils s'en fichent. Ou franchement, ils s'en fichent maintenant, ils s'en fichaient peut-être moins avant, parce que Netflix avait tendance à reprendre des séries un peu décédées pour les remettre sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et le but de Netflix maintenant, c'est d'avoir un seuil de rentabilité une fois qu'un premier épisode ou une saison est sortie, en se disant là, ça fait 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, c'est bon, on va la garder dans notre escarcelle et on peut potentiellement proposer une saison 2. Si ça passe en dessous de ce seuil, la série, elle est jetée aux oubliettes, elle passe à la trappe et c'est fini. Et ça, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, tu donnes pas sa chance au produit. Il y a des séries. Imaginons que The Office version US sorte aujourd'hui. La saison 1, on va pas se mentir, elle est pas dingo. Hein. Je pense que c'est une série qui ne tient pas sur Netflix. Alors qu'aujourd'hui, c'est une série qui cartonne sur Netflix parce qu'elle a eu le temps de s'installer à l'époque, à la télévision, sur une plateforme. C'est ce genre de série-là. Brooklyn Nine-Nine, par exemple, c'était une série de télé. Ensuite, tout le monde se dit que c'est sur les plateformes, mais non, c'est une série de télé. Breaking Bad, c'est une série de télé. Toutes ces séries-là, c'est des séries de télé, en fait, qui ont eu le temps de s'installer, quoi. Et c'est le gros problème, c'est le gros souci des plateformes. Sauf peut-être d'Apple TV+, qui laisse, j'ai l'impression, un peu plus de temps aux séries de s'installer, même c'est des séries de prestige, et donc qui rapportent pas, mais c'est des séries vitrines. Et qui le fait parfois à perte, hein, d'ailleurs. Exactement, mais, voilà. Mais oui, maintenant, il y a une rentabilité qui est recherchée un petit peu partout sur les plateformes, et tu parlais d'un nombre de vues, mais ça va même plus loin que ça, hein, sur Netflix, c'est-à-dire qu'on va regarder le taux de démarrage, le taux de complétion, et surtout, on va essayer de voir si les gens sont capables de se transférer sur une saison 2. Si les chiffres sont en deçà de ce qui est attendu, il n'y aura pas de saison 2 derrière, ou alors on va leur dire « Ok, on te renouvelle parce que tu as quelque chose à dire, mais par contre, ça sera ta dernière. » Et ça, c'est même de moins en moins le cas. Je pense à 1899,
que... Oui, oui, que, la série 1899. Dont les gens ont attendu une suite, et pourtant, c'était des créateurs qui ont longtemps travaillé avec Netflix. Netflix n'a pas hésité une seule seconde à dire « Écoutez, cette série, elle est peut-être très bien, mais moi, je m'en tape parce que les chiffres ne sont pas là. » Tu vois, c'est, ça, c'est ce genre de choses que Netflix ne faisait pas avant, et que Netflix fait désormais par quête de rentabilité. Exactement, Disney Plus le fait aussi, Disney Plus va même plus loin des fois, on en a parlé souvent dans l'émission, en supprimant même définitivement des films et des séries de sa plateforme, qui sont trouvables nulle part après, parce que ces séries et ces films n'ont pas rapporté assez, n'ont pas été vus, donc on les fait disparaître. C'est un produit culturel qui disparaît. Ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas évidemment avec le DVD, parce que c'est un support physique, ou avec le Blu-ray, et aujourd'hui on peut faire ça. Donc la plateforme, déjà, a ce principal souci. Mais là, on est plus rentré dans un côté... contenu, produit, ce qu'est une plateforme. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse vraiment ce soir, en fait, dans l'émission, c'est de parler du tarif. Du côté consommateur. Et du côté consommateur, ce que c'est, quoi. Pourquoi on paye ces plateformes ? Pourquoi on les payait et pourquoi on les paye aujourd'hui ? Est-ce qu'on a perdu cet attrait ? Moi, je trouve que les plateformes, aujourd'hui, sont devenues des ogres à contenu. Il faut nourrir la bête en permanence. Il faut toujours, toujours amener du contenu frais. Même quitte à reboot, à remaker, ça sera semi-frais. Les gens se diront, tiens, c'est une série que j'avais aimée quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on en fait une nouvelle version, c'est cool, etc. etc. La télé n'est pas la dernière pour l'avoir fait non plus, hein, je ne vais pas mentir. Bien entendu. Mais là, les plateformes en profitent parce que c'est du contenu à pas cher et facile à faire et tu te reposes sur des... licences connues. Et au-delà de ça, on nous bourre de contenu tout de suite en permanence. Moi, je n'ai plus le temps en fait de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nul, pourquoi je paye Netflix. Je sais plus pourquoi je paye Netflix parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis bah, y a trop de contenu. J'arrive plus à m'y retrouver dans les films. Le contenu est ok. Alors, c'est subjectif encore une fois, hein, mais le contenu est ok. Est-ce que je ferais pas mieux de payer moins de plateformes, de me diriger vers vraiment quelque chose avec un peu plus de curation, comme le faisait OCS. Malheureusement, OCS voilà, a perdu HBO, a perdu tout ça. Mais c'était justement HBO, les séries prestige, avec des films aussi. Et ce que j'aimais beaucoup, par exemple, sur OCS, c'est ce qu'ils continuent à faire, hein, c'est des thématiques. C'est des rendez-vous. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le mois Scorsese sur OCS. Et bien là, ils vont te ressortir tous les Scorsese. Mais tu sais où tu vas, en fait, quant à ça. Tu sais qu'on va te proposer des pépites, des choses comme ça. Ce que fait Mubi, ce que fait des... En fait, ce que font les plateformes de niche. Exactement. C'est ça que j'aime. Aujourd'hui, les grandes plateformes, et c'est leur rôle, hein, évidemment, hein, c'est de proposer du contenu en permanence, du contenu mainstream et du contenu qui est consommable à l'instant T et oublié. Mais ces plateformes-là, en fait, c'est des hypermarchés. C'est ça qu'il faut voir. Et donc forcément, bah, les hypermarchés, ils ont besoin que ça soit rentable et que bah, les clients, ils viennent, ils reviennent et à chaque fois, chaque année, ils finissent par payer plus. Alors, il faut t'as les têtes de gondole, t'as les trucs. Exactement. Tu vois, Stranger Things, dis, allez, je me prends. Tiens, j'adore Stranger Things, il faut que je reste abonné à Netflix. Ah tiens, j'adore Marvel, j'adore Star Wars, il faut que je reste abonné à Disney+. Bon, bah c'est typiquement ce genre de problématiques qui nous ont mis dans le cerveau et qui nous maintiennent abonnés, qui nous maintiennent captifs en fait de ces abonnements-là. Alors il faut qu'on parle des tarifs, parce qu'on voulait parler un petit peu de langue consommation, parce que bon, tout ça vous voyez bien que ça sort pas de nulle part, que tous les deux on se rend bien compte qu'on paye très cher pour parfois regarder zéro fois certaines plateformes par mois. Bon, bref, on a regardé un petit peu les différents prix. Alors évidemment, maintenant, il y a des panels de prix sur les diverses tarifications, parce que maintenant, certaines plateformes ont des offres avec pub, etc. Donc, Netflix, la plateforme principale, 5,99€ par mois avec publicité, 10,99€ pour un forfait standard, donc je crois que tu n'as qu'un seul écran, 13,49€, pardon, 10,99€ c'est l'essentiel, 13,49€ tu as deux écrans, c'est la standard, et alors premium c'est 4 écrans, et en plus tu as le droit de la 4K, et c'est 19,99€ désormais. Donc 20€ par mois, pour avoir, bah, on va dire, un foyer qui est capable de regarder Netflix, puisque maintenant tu ne peux plus, rappelons-le quand même, partager tes codes avec d'autres, ou alors il faut que tu payes 6€ de plus. Bon, donc ça, c'est Netflix qui est, à l'heure actuelle, le plus cher, à peu près partout, sauf si tu considères pas les forfaits avec pub. Disney+, avec pub, c'est 5,99€, le standard, c'est 8,99€ pour deux écrans, et le premium, c'est 11,99€, ou annuel, 120€.
Prime, c'est 6,99€ par mois, 69,99€ l'année. Canal Plus série, hein, pas Canal Plus tout court, c'est 9,99€ par mois. Apple TV Plus, c'était bien moins cher avant, c'est à l'heure actuelle 9,99€. Et c'est gratuit pour un an si vous achetez, enfin si vous avez une preuve d'un achat d'appareil Apple. Mais je pense que si vous achetez ce genre de truc, vous n'êtes pas spécialement à 9,99€ par mois près. OCS, 10,99€ si vous êtes sur mobile uniquement, et 12,99€ si vous voulez aussi l'accès télé à OCS. C'est aussi parfois inclus dans les offres canal, tout comme Apple TV+, et Paramount+, aussi, qui est à 7,99€ ou 79,99€ par an. Universal Plus, 5,99€. Le Pass Warner, c'est 9,99€. Et je vous ai pas parlé des tarifs de Shadows, de Mubi et de Filmo, puisque c'est tellement niche qu'à mon avis, ça ne s'inclut pas spécialement dans cette conversation. Donc au total, si on fait le total de tout ça, mis bout à bout par mois, si vous voulez absolument tout, c'est 83€ par mois. Alors c'est évidemment, c'est gigantesque. Il faut aussi évidemment, parler du fait que parfois chez Canal+, on a le droit d'avoir des offres un petit peu combinées qui sont moins chères, bien entendu, que 80€ par mois. Mais malgré tout, bah c'est mon cas, j'ai pas tout, mais je paye un truc à 45€ par mois pour avoir Netflix, Disney+, OCS, Apple TV+, et c'est quoi le dernier ? Je crois que c'est tout. Ouais. Bon. J'ai pas cette offre, moi. Et j'ai pas tout. Mais... Et c'est déjà 45€ par mois. C'est déjà énorme, non, mais bien sûr, c'est énorme. Je pense qu'on paye à peu près entre 50 et 70, 80€, voilà, si on veut consommer de la culture série et ciné actuellement, on est obligé, voilà. Ouais. Ou alors on pirate, mais ça on reviendra peut-être après dessus. Mais c'est marrant que tu parles de cette offre Canal, parce que Canal ils sont malins, c'est eux qui ont sorti l'offre Raplus. Il n'y a pas si longtemps que ça, qui permettait aux étudiants de payer beaucoup moins cher pour avoir accès à Netflix. Qui cible les étudiants, effectivement. Qui cible les étudiants. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Raplus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement cher aujourd'hui d'avoir accès à cette culture-là. Je parle pas de musique. Et on n'a pas parlé de Spotify, on n'a pas parlé de... Ah oui, non, mais Spotify, c'est devenu plus cher encore. C'est devenu plus cher, etc. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont les abonnés. Ils ont tout le monde, en fait. Ça y est, on est tous accros, il n'y a plus besoin de lancer des produits d'appel, on est tous dedans, on est tous dans la machine. Mais maintenant, le but, c'est quoi ? C'est de la rétention, c'est tout. Bien sûr. Donc la rétention, tant que tu gagnes, tu joues. Et c'est ce que fait Netflix, c'est ce que font les autres plateformes. Ils remettent une pièce dans la machine, ils disent « Oh, les cons, putain, on leur a mis 3€ de plus, ils disent rien. » Et en plus, on les empêche de partager leur compte et tout le monde vient et tout le monde reste. Ouais. Ça nous fait encore plus d'abonnés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ils sont trop cons. Et donc là, c'est le capitalisme à son plus haut niveau où, en fait, nous, on est des... Je vais enfoncer des portes ouvertes et être un peu cliché, mais on est des moutons techniquement à rester, à s'abonner à autant de plateformes. On est des vaches à lait, purement et simplement. Les Français sont des veaux. Mais non, mais voilà, mais tout le monde l'est dans le monde entier. C'est normal. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simple. Là où ils sont très forts, c'est que c'est simple. Mm. C'est pas si cher techniquement dans ton esprit. Tu te dis, bon, je paye 10 balles. Sauf que c'est 10 balles plus 10 balles plus 10 balles. Donc en fait, ça devient cher. Tout le monde le fait. Mm. Et bah, toi aussi, il faut que tu le fasses. Tout le monde en parle, télécharger, pirater, streamer illégalement, c'est plutôt facile, mais ça demande quand même un certain temps. Il faut le faire, voilà, avec les bons outils, avec un ordinateur qui fonctionne bien, et avec une bonne connexion. Et c'est devenu de plus en plus compliqué aussi. Alors, je trouve que télécharger... Je ne connais pas ce monde-là, je parle... Jamais fait, je ne sais pas. On m'a dit que streamer était beaucoup, beaucoup plus simple qu'avant. Ouais. Et il y avait des sites super pour streamer. Moi, on m'a dit ça, je ne sais pas, je parle comme ça, je ne sais pas. Télécharger peut-être plus compliqué. Ouais. C'est vrai que la grande époque de méga upload, de tout ça, n'existe plus. Enfin, quoique, il y a toujours des sites comme ça. Mais il y a toujours cette possibilité-là. Et je sais, en tout cas dans mon entourage, que... ça revient en force. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui me conseillent des plateformes de téléchargement illégal, de streaming illégal, en me disant « Mais attends mec, t'as tout ce que tu veux, t'as toutes les plateformes pour 0€, ou alors tu t'achètes un petit truc, tu vois, de VPN ou des conneries, et c'est parti. Ouais. » C'est pas pour rien que les VPN, ça marche bien aussi. Hein.
c'est parce que tu peux voilà, te démerder pour télécharger et streamer. Et tu vois, c'est ce fameux mème des Simpsons où t'as ce mec qui se débarrasse d'un gamin et en fait, et ce gamin il revient derrière lui sans arrêt. Mmh. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans les années 2000, grosso modo, enfin dans les années 2010, grosso modo, on s'est tous débarrassés de nos, entre guillemets, nos endroits où on piratait parce que bah, c'était devenu tellement plus simple et tellement au final. Pas si cher d'être abonné, qu'on s'est tous abonnés et on s'est tous habitués à utiliser tous ces trucs-là, et que maintenant on en est même à rester abonné alors que, un, c'est devenu moins pratique de profiter à plusieurs, en plus c'est devenu plus cher, tous les ans on a pris des hausses de tarifs successives chez certaines plateformes qui ont bah Netflix, ça fait 2 ans d'affilée que ça augmente, Disney Plus si, mais aussi Amazon Prime c'est pareil, enfin bref, et donc derrière bah on se dit, est-ce que le piratage va revenir à la manière de ce gamin derrière ce mec des Simpsons? Bah peut-être, mais peut-être pas pour tout le monde, puisqu'à l'évidence, comme on en parle régulièrement dans Pop News, bah ça va très bien en fait, hein, sur les chiffres d'abonnés côté Netflix, ça fonctionne. Alors, très bien. Ils ne nous disent pas quelle est la part de gens qui se sont abonnés aux offres pubées, mmh. Quelle sont la part des gens qui sont toujours abonnés à des offres premium, plus, etc. Donc ça, c'est peut-être un truc intéressant. Mais, ouais, mais... évidemment qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va augmenter aussi, hein, les abonnements pubés. J'ai vu très récemment qu'apparemment Netflix, au bout de... si t'es abonné à l'abonnement pubé, si tu binges beaucoup, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est à peu près 5 ou 6 épisodes, mmh. Donc t'as de la pub à chaque épisode, mmh, ouais. Et en fait, le 6e n'aura pas de pub. Ah, c'est bien aimé. Ça va être bien comme ça. Oh, c'est trop gentil. Ah ouais, mais tu vois, c'est leur façon de retenir les gens, c'est leur façon de donner une carotte, alors qu'ils n'ont pas besoin d'argent, mais ça, après, c'est un autre débat. Oui. Bon, entre là-dedans, c'est pas très intéressant. Mais au-delà de ça, c'était une super opportunité il y a 10 ans, quand Netflix est arrivé, enfin un peu moins de 10 ans en France. C'était génial, Netflix, c'était super, c'était une nouveauté. On avait des séries prestige, il y avait quand même... comment House of Cards, mm-hmm. des choses comme ça, Orange is the New Black, c'était des belles séries, c'était des trucs qui débarquaient, on adorait ces trucs-là, et là c'est devenu autre chose, Netflix n'est plus le Netflix d'il y a 10 ans, et après il y a aussi le fait qu'il y ait une inflation aussi énorme en ce moment, tout le monde galère, tout le monde le ressent. C'est très compliqué de payer des choses. On compte plus nos sous depuis un ou deux ans. Et donc, forcément, bah, ça, on le voit maintenant. Ça nous fait beaucoup plus mal, en fait, de payer 10 balles de plus, quoi. Bah, avant, on pouvait peut-être lâcher le petit billet de 10. Mm. Maintenant, petit billet de 10, bah, il peut payer, je dis n'importe quoi, mais du pain et puis le repas du soir, quoi. Donc, voilà. C'est, on le voit autrement. Et ces plateformes-là, je trouve, sont dégueulasses de faire ça maintenant, parce que c'est aujourd'hui qu'elles le font, quoi. Bien sûr. Au moment où on est tous dans le dur, quoi. Ouais, et exactement. Comme américains, comme d'autres. Mais, évidemment, mais tu vois, c'était facile, entre guillemets, d'ajouter 10 euros par mois aux charges du foyer en se disant, bon, bah, c'est pas grave, on est deux à regarder, des choses comme ça, tu vois. Mais là, si tu veux, si tu mets vraiment tout bout à bout et que tu te rends compte de ce que tu payes par mois, bah, en fait, tu te rends compte que, bah, il y a des impondérables que tu peux pas enlever. C'est-à-dire que, évidemment, ton électricité, ton gaz, tu vas continuer à le payer. Évidemment, voilà, et évidemment que ton internet, tu vas continuer à le payer, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, à quel moment la culture finis par passer au second plan et tu finis par te dire, bon, bah, en fait, si j'enlève tout ça, j'ai déjà 50 euros par mois qui sont libérés, tu vois. Et donc, le calcul, au bout d'un moment, il finit par être vite fait. Et je pense que peut-être que les gens vont finir par se rendre compte qu'ils ont peut-être plus besoin de tout ça. Et moi, je suis très sérieusement en train de me poser la question, de me dire, là, je sais que j'ai un truc que je vais pouvoir regarder là bientôt dans le mois. Est-ce que je ferais pas mieux de m'abonner spécifiquement pour le mois où je vais regarder un truc, plutôt que de rester abonné à l'année pour des plateformes que, très sincèrement, il y a des moments où je ne regarde pas du mois. Mais ouais, non, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est une mécanique un peu chiante et compliquée à chaque fois à mettre en place, parce que tu t'abonnes, tu te désabonnes. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils nous ont.
Et c'est comme ça qu'ils nous ont, mais c'est normal, mais ça, c'est les opérateurs téléphoniques font la même chose. Bien sûr. Tu peux, les opérateurs aussi, de, les fournisseurs d'accès à Internet aussi. Bon, ça, c'est chacun fait ce qu'il, ce qu'il peut et ce qu'il veut. Si t'as le temps, tu peux le faire. Si t'as l'argent, tu le fais pas forcément. Moi, je pense, personnellement, et puis après, on peut arrêter peut-être cette discussion-là, mais que je vais diminuer mes plateformes. Je vais vraiment maintenant faire des choix en mode curation, en me disant bah là j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce que vous avez sur la plateforme. C'est quelque chose voilà qui me fait revenir beaucoup plus de fois dans le mois que ailleurs. Bon bah je vais prendre cette plateforme là, puis peut-être une deuxième et ce sera tout quoi. Parce que derrière t'as aussi les jeux vidéo, t'as aussi la culture littéraire, t'as aussi la musique, t'as aussi plein de choses. Donc voilà, faut aussi. Bien entendu. On n'est pas non plus que à regarder des séries quoi ou des films. Donc il y a d'autres choses à faire dans la vie. Clairement. Et donc il y a de l'argent qui passe aussi là-dedans quoi. C'est clair. Non, mais tu vois, c'est vrai que bon, bah, il faut. Il y a une époque où on pouvait être complètement dans l'abondance. Mais là c'est plus possible en fait. Bah, déjà parce que maintenant l'abondance, elle est parfois pas forcément synonyme de qualité. Non. Et surtout, je pense qu'il faut aussi être un petit peu plus concerné par ces dépenses entre guillemets secondaires, même si moi je les considère parfois prioritaires. Mais c'est tu vois, c'est... Oui, mais ça c'est subjectif encore une fois. Hein. Il faut être raisonnable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit, bien entendu. Alors évidemment, si vous êtes abonné et que vous êtes abonné sur X mois avec Canal par exemple, et que vous êtes entre guillemets, comment on dit, quand t'as un abonnement, tu peux pas t'en défaire tout de suite. Ah, engagé ? Voilà, si vous êtes engagé, évidemment, c'est pas possible pour vous. Ouais. Mais peut-être que cette discussion et cette réflexion vous permettra de vous dire « Ouais, bon, bah, ça fait 2 mois que je regarde plus Disney+, peut-être que je peux couper et que je me réabonnerai parce que, je sais pas, moi, il y a Echo qui arrive, et je regarde 6 épisodes, ça me fait 2 mois d'abonnement, et puis je reviendrai quand il y aura un autre truc qui me plaira, quoi. » Mais c'est, en fait, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur ta comparaison avec l'hypermarché. C'est vraiment ça, quoi. Bien c'est qu'avant, c'était une épicerie fine. Il y avait contenu Netflix, voilà, mais tu vois, un peu plus quoi. Il y avait un côté, on va en boutique, c'est un peu plus fancy, c'est un peu plus, oh là là, regardez, on a des beaux produits, certes, voilà, c'est tout un peu plus cher, mais c'est pas mal. Maintenant, c'est devenu un Super U, un Carrefour, un Leclerc, et bah, tu fais ton choix, mais t'as pas de choix, en fait, t'as trop de choix, donc tu sais jamais quoi prendre, et bah, voilà, tu prends. Et comme dans un supermarché, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas directement dans les rayons que tu connais, tu prends exactement les produits que tu connais, et tu ne te laisses plus surprendre, et on ne te surprend plus, comme on pouvait avoir dans une épicerie où t'as un vendeur, une vendeuse qui vient et qui dit, regardez, c'est un nouveau produit sympa et on vous le conseille, etc. C'est ça. Mais à ce sujet, d'ailleurs, ne négligez pas les plateformes de niche si vous voulez réduire un petit peu la voilure et que vous dites que ben, Netflix, vous avez fini un petit peu. Ne négligez pas les plateformes de niche qui, elles, font énormément de curation, qui proposent souvent des choses qui sont disponibles nulle part ailleurs. Et peut-être que en payant peut-être un petit peu moins cher, mais en ayant du coup des plateformes un petit peu plus raisonnées sur ce qu'elles proposent, peut-être que vous trouverez autre chose que justement cet hypermarché de contenu que sont devenues ces plateformes-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ce qui me pousse à payer aujourd'hui une plateforme, c'est la curation. Ouais. Si on me dit tu payes 1 euro ou 2 euros de plus, ça sera pour la curation, pour qu'on me dise regarde, ça, cette série, elle vaut le coup. Pourquoi elle vaut le coup? Elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, etc., etc. On me détaille tout, là j'y vais. Si on me laisse tout seul dans un magasin, bon bah évidemment, je vais juste me diriger vers ce que j'aime et ce que je connais, ce qui n'est pas très intéressant finalement. Bien sûr. Et mais écoute, ce sera le mot de la fin pour cette discussion de la semaine, qui aura déjà pas mal duré. Donc on va faire vite sur le radar des sorties, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Five Nights at Freddy's, bah, c'était disponible depuis 2 semaines aux États-Unis. C'est disponible en France à partir du 8 novembre. C'est un film d'horreur avec Josh Hutcherson de Hunger Games. L'adaptation du jeu vidéo éponyme, sorti en 2014. Et l'idée, c'est qu'il y a un mec qui accepte un poste de gardien dans un ancien parc d'attractions des années 80 un peu abandonné, et qui va rencontrer des poupées animatroniques un petit peu chelou, voilà, un petit peu envahissante comme on dit. Alors The Marvels, c'est pareil, ça sort le 8 novembre au cinéma en France, c'est avec Brie Larson, c'est réalisé par Nia DaCosta, il y a Samuel L. Jackson bien entendu, Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan, Miss Marvel, doivent faire équipe et comprendre pourquoi elles intervertissent leur place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Ouh là là. En streaming, on a The Killer, le nouveau
nouveau film de David Fincher qui sort le 10 novembre avec Michael Fassbender et Tilda Swinton. Un tueur à gages sans pitié ni scrupule voit son existence remise en question du jour au lendemain. J'en dis pas trop plus parce que le film a l'air intéressant. Il sort le 10 novembre. Tout comme le nouveau jeu de Prime Video qui s'appelle 007 Route vers le million. Ça sort le 10 novembre. C'est un jeu présenté par Brian Cox de Succession. Le principe, c'est qu'il y a des gens ordinaires qui tentent de remporter 1 million de livres sterling en remplissant des missions à la James Bond. Pourquoi pas? Voilà. Bon, les jeux télé, hein. Oui, voilà. The Walking Dead, Daryl Dixon, 2 mois après la sortie américaine, arrive enfin en France sur Paramount+. C'est un spin-off de la saga The Walking Dead, bien entendu, centré autour de Daryl Dixon, qui après la saison 11 se retrouve en France et tente de comprendre pourquoi et comment retourner chez lui, avec Norman Reedus, bien entendu, et Clémence Poésy. C'est une série en 6 épisodes de mémoire. Enfin, je vous propose For All Mankind, saison 4, qui arrive sur Apple TV+, le 10 novembre. C'est toujours une uchronie où l'URSS a posé le pied sur la Lune avant les USA, et où la course à l'espace se poursuit. Quatrième saison arrive le 10 novembre. Et en jeu vidéo, de grosses sorties pour les footeux, notamment Football Manager 2024, le 6 novembre, sur PC, PS5, Xbox et Switch. C'est un jeu de gestion où on incarne un entraîneur d'une équipe de football. Et évidemment, pour les amateurs, Call of Duty, c'est évidemment le grand classique. Ça sort le 10 novembre, c'est Call of Duty Modern Warfare 3, sur PC, Xbox, PlayStation. Jeu de tir à la première personne, en mode campagne, en mode multijoueur, en mode zombie. Bref, je vous fais pas plus. Le récap, vous savez à quoi vous en tenir. Passons aux recommandations, mon cher Adrien. Tu en as deux ce oui. soir. On va commencer par Dead Space, le jeu vidéo qui s'est offert un remake nouvelle génération récemment. Ouais, exactement. Dead Space qui était sorti fin des années 2000, un jeu d'horreur, un survival dans l'espace, comme son nom l'indique, qui était une sorte de Resident Evil dans l'espace, clairement, vu à la troisième personne, caméra à l'épaule. On se baladait dans le vaisseau Ishimura, si je me trompe pas, qui est un vaisseau en perdition dans l'espace, et avec beaucoup de monstres à l'intérieur. Le but, en fait, c'était de comprendre ce qui s'était passé dans ce vaisseau et puis de s'échapper de ce vaisseau. Il y a une ambiance à la The Thing de Carpenter, complètement, parce qu'en fait, les monstres ont des sortes de bras dégueulasses, amovibles, tentacules, voilà, qu'il faut démembrer, en fait, ces monstres-là et pas leur tirer dans la tête, forcément, pour les tuer. Donc, ça rappelle vraiment, vraiment la chose de The Thing. Ambiance super, donc à l'époque, je parle du jeu de l'époque, mais en fait, le remake est exactement, suit exactement la trame du premier et de l'original, sauf que, graphisme remis au goût du jour, ce qui fait extrêmement plaisir. Superbe graphisme, t'as pu jouer un tout petit peu. T'as vu que c'était quand même très joli. Ouais. Toi qui es un peu team flippette, je pense que ça marcherait bien sur toi. En Dead Space, il faut savoir que Dead Space, j'ai vu l'intégralité du jeu. C'est mon frère qui avait la manette en main. Donc, okay. Du coup, je le regardais derrière lui. Mais tu vois que c'est une bonne ambiance. Dead Space, si vous aimez ce genre de jeu, c'est un must. Hein. C'est un must, ça fonctionne très bien, c'est très couloir, donc en fait, c'est un peu, on backtrack, c'est du backtracking, c'est qu'on avance dans certaines pièces, on récupère un objet important, on revient dans une autre pièce pour faire avancer l'histoire, ce qui fait qu'en fait, moi, ça me fait moins flipper aujourd'hui qu'à l'époque, peut-être parce que je connais très bien le jeu, peut-être parce qu'en fait, il y a aussi tout ce côté couloir qui est moins flippant qu'un open world un peu plus travaillé, etc. Mais en tout cas, ça reste un must. C'est très très bien. On vous le conseille. Il est dans le Game Pass avec le EA Pass. EA, je sais plus comment il s'appelle ce truc là, où il y a Star Wars. EA Play, exactement. EA Play. Parce que c'est un jeu Electronic Arts. Et on vous le conseille, même je pense à prix fort, si vous aimez bien les survival, ce sera franchement un très bon coup. Clairement, tout ça c'est disponible sur PS5, sur PC, sur Xbox Series. Exactement. J'étais en train d'essayer de chercher le prix, mais je crois que c'est 60 euros en fait. Hein. Autour de 50-60 balles, je pense, Ouais, c'est 60 euros sur Steam. Ouais. Ok, très bien. Donc, ça c'était ta première reco, Dead Space donc. La deuxième reco, c'est une série dont on a déjà pas mal parlé en reco, c'est Gen V. Ouais, Gen V, le spin-off de The Boys, Gen V qui vient de terminer sa diffusion avec le 8e épisode. Je sais pas si toi t'as vu le dernier épisode. Il me manque le dernier. Il faut qu'on le regarde avec ma compagne, mais ça va pas tarder.
Ok, bah, je vais pas spoiler, de toute façon, dans tous les cas, dans l'émission, mais voilà. Tout ça pour dire que Gen V, c'est une série plutôt ok, plutôt honnête, que j'ai vraiment pas mal appréciée. Je l'attendais pas de pied ferme, mais en tout cas, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec un spin-off de The Boys. Très bien amené, Gen V, parce que, voilà, ça revient sur ce côté adolescent, toutes les problématiques qu'on peut avoir à l'adolescence, que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur de la puberté, le corps, etc., comment on gère ses émotions, ses sentiments, sa colère, tout ça, évidemment, à travers les super pouvoirs, sauf que c'est des super pouvoirs en général bien gore. L'héroïne peut contrôler le sang. Il y a une des héroïnes qui peut, à la manière de Malicia, empêcher les gens de ressentir de la douleur, des choses comme ça. Voilà, les empêcher de rentrer un peu dans leur tête, à la manière de Charles Xavier aussi. Donc, pour faire très simple, c'est les X-Men version gore. Ouais. Je résume très grossièrement. Et on ne s'attendait pas forcément à de gros liens avec The Boys. Il y en a un peu. Je ne vais pas spoiler le dernier épisode, mais il y en a. Et ça peut lancer des pistes très intéressantes. Ouais. Parce que je trouve que, même si ça se perd un petit peu durant les 8 épisodes, ça aurait mérité d'être un poil plus court. Il y a un fil rouge plutôt sympa qui aura sûrement un impact dans The Boys saison 4. Ouais. À voir comment ils utilisent en fait la storyline de The Boys, de Gen V dans The Boys, mais c'est plutôt très ok. Si on aime The Boys, on aimera Gen V. C'est pas révolutionnaire du tout, mais ça se regarde extrêmement bien et c'est détente et y a pas de soucis. Est-ce que tu penses que pour un fan de The Boys qui attend la saison 4, c'est un peu un indispensable? C'est pas un indispensable, mais c'est très cool et je pense qu'ils utiliseront quelque chose de Gen V dans The Boys. Donc c'est mieux peut-être d'avoir vu Gen V. Et puis on retrouve quelques persos de The Boys, on trouve l'ambiance décalée, on trouve des super pouvoirs différents et tout, donc c'est plutôt cool. Bah, tu vois, je trouve que pour le coup, plus ça va, plus le lien avec The Boys se développe dans le courant de la saison 1 de Gen V. Ouais. Et parfois ça a commencé à gêner ma copine qui a commencé à me dire, mais c'est qui lui tu vois. Et donc du coup, parfois... On fait un écart pour les fans de The Boys et leur expliquer un petit peu les liens avec The Boys et la suite. Et les gens qui arrivent avec Gen V, peut-être parfois arrivent sur un mini-mur. Hein, c'est clairement... on peut l'enjamber, hein, mais parfois tu te dis, mais attends, pourquoi ils nous mettent ça? C'est toujours le problème d'un spin-off, en fait. C'est que ça fait forcément référence à une série d'origine ou un film d'origine, quoi. Donc, mais bon, je trouve que ça se tient bien sur ces deux jambes, quand même. J'aime bien les personnages. Voilà. J'ai pris plaisir à découvrir leurs aventures et j'attends la fin. Enfin, on va regarder là cette semaine. Le dernier. Mais très cool. Et puis j'attends évidemment la saison 4 de The Boys, hein, bien sûr. Pareil. Bien sûr, bien sûr. Allez, est-ce que tu auras une reco, toi? Oui, j'ai une petite reco. Alors c'est vraiment une petite reco. Pourquoi? Parce que c'est un petit jeu. Pourquoi? Alors il s'agit de Suika Game. S-U-I-K-A, plus loin, Game. C'est un jeu japonais, de mémoire. Alors le concept est un peu étrange à expliquer, mais imaginez, vous avez une boîte dans laquelle vous mettez des fruits. Et quand vous avez un même fruit qui se colle à... qui fait une paire, grosso modo, ça fait un fruit plus gros. Et l'objectif, c'est de passer de la cerise à la pastèque, et avec tous les fruits entre. L'idée, c'est, pour faire très simple, est-ce que vous vous rappelez du jeu qui s'appelle 2048 de l'époque, où on avait une grille, et dans lequel il fallait faire en sorte que le 2 arrive sur le 2 et ça fasse un 4. Les 4 et les 4, ça faisait 8, etc., jusqu'à arriver à 2048, 4096, etc. Bon, là, c'est la même chose, mais avec des fruits, et en plus, il y a un moteur physique qui fait que les fruits, c'est rond, bien entendu, et puis ça roule. Donc, forcément, ça fait parfois des trucs un petit peu chaotiques et ça rend la chose franchement agréable à jouer et parfois tu rages un peu, tu dis mince, mon orange elle aurait pas dû être là, tu vois, ça aurait fait une pomme, si bon, bref. Donc c'est très con mais c'est hyper addictif. Très bon. C'est franchement c'est très bête mais c'est hyper addictif. Il y a un truc qu'il faut que je précise tout de suite, c'est que le jeu coûte 3€. Ah, vraiment c'est pas cher. Et pas cher à me désabonner de Netflix, moi. Il y a évidemment de quoi comparer ses scores à... tu compares tes scores à tes propres scores, évidemment. C'est un jeu de scoring. L'idée, c'est de toujours faire mieux. Et plus les fusions sont importantes et plus tu fais de points
bien entendu. Moi, évidemment, j'ai fait plusieurs pastèques, j'étais trop content. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment les gens font pour faire 7000 points alors que mon max, c'est 3000. Et je me dis, mais comment ils ont fait, ces gens? Enfin, bref. Et donc, du coup, bah, là, maintenant, à la maison, on se tire la bourre avec ma copine. Elle vient de me battre mon meilleur score. Il faut absolument que je la batte. Enfin, bref. Évidemment. Et donc, à chaque fois, on se fait une petite partie et on t'en relance une. Tu fais, mais attends, mais c'est... Donc, bref, c'est vraiment super cool. Deux questions. Ouais. Sur quelle plateforme c'est disponible ? C'est l'arbre, j'y joue sur Switch. Ouais. Et il me semble que le jeu, du coup, bah, dans sa version gratuite, alors beaucoup moins développé et beaucoup plus ancien visuellement parlant, et sur PC et sur navigateur. D'accord, donc, ok. Voilà. Et sur mobile ? Parce que ça sonne jeu mobile quand même. Ah ouais, je t'avoue que j'ai pas checké, mais je vais regarder ça tout de suite. Et au-delà de ça, est-ce que les parties sont rapides ? Bah, ça dépend si tu perds vite, mais oui, grosso modo, c'est assez rapide, hein. C'est franchement pas très long, une vingtaine de minutes, je dirais. Pas, d'accord, ok. Pas beaucoup plus. Okay. C'est disponible sur Android, sur mobile. D'accord, ok, ça marche. Parce que j'étais un grand, grand fan de 2048. Ouais. Ça m'a fait mes heures de métro et de tram à une époque. Et, c'est vraiment 2048. Le jour où j'ai fait 2048, j'étais si fier. Ouais, ah, mais moi je me souviens même que... Tu pouvais aller plus loin, après. J'avais vu faire un 4096, ouais, je sais plus si je l'avais fait moi-même. Mais bref. Donc vraiment, si vous êtes sur ce genre de jeu, un peu de réflexion, un peu de pause, de ressources, etc., ça vous plaira certainement. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais, tu te dis, mais attends, comment je peux faire pour optimiser mon truc et faire en sorte que ça se passe mieux à chaque fois. Et vraiment, moi, je passe des super moments. Alors, c'est vraiment un petit jeu, entre guillemets, passe-temps. Mais, donc la steak. Oui. Oui. Mais voilà, moi, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre de jeu. Ça donne la banane ? Ouais. Il n'y a pas de banane dans le jeu, mais les petits fruits ont des petites têtes, ils font des petites réactions, c'est trop mignon. Donc mignon. Voilà. Ah mais tu m'as convaincu. Je vous recommande ça, ouais, franchement pour 3€, c'est pas très cher. Bref, ça va être du coup la fin de nos recos, et donc la fin de cette émission 26 de Pop News. On arrive bientôt à la fin de l'année, hein, donc on aura fait quasiment 6 mois de Pop News, je crois. Déjà, ouais. Depuis qu'on a changé le modèle de l'émission. Merci évidemment à tous de nous suivre toujours autant sur vos plateformes de podcast et évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous le rappelle une dernière fois, on est disponible sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur où on fait des petits jeux très sympathiques d'ailleurs. Oui. Jouez avec nous sur TikTok. Il faut que vous découvriez les images que nous avons pixelisées, etc. Ça donne des trucs sympas. Et moi, franchement, je me prends au jeu. Donc allez-y. Balancez évidemment vos likes. Bien entendu, on est sur YouTube et sur Dailymotion pour les formats plus longs des émissions. Et sur Twitch, tous les lundis à 20h30 pour discuter en direct avec le chat à la fin de l'émission, bien entendu. Et puis, on rappelle les petites étoiles sur les plateformes de podcast, le bouche à oreille pour ramener les darons, les grands darons, les neveux, les nièces, tout ça. On va conquérir le monde grâce à vous. Je n'en doute pas. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous.